السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في قناة إيكوفاين. هذه القناة اللي كتقدم دروس وتمارين في مادتي المحاسبة والاقتصاد العام. الموضوع ديال الفيديو ديال هذا اليوم هو لي فورمول اي لي ليكتور دي زانديكاتور دي زيشانج اكستيريور. يعني كما كتشوفوا هنا غنحاولوا نعرضوا واحد المجموعه ديال لي فورمول وغادي نشوفوا كيفاش كنديروا لهم لي ليكتور ديالهم. اذا غادي نبداو لو سولد كوميرسيال. اذا لو سولد كوميرسيال est égal à la différence entre les exportations des biens et les importations des biens. Donc on a les exportations des biens, on a les importations des biens. Donc il est clair que le solde commercial est supérieur à zéro. Tout simplement, quand vous voyez que la balance commerciale est excédentaire, donc on a l'excédent. Parce que quand on dit le solde commercial est inférieur à zéro, quand vous voyez que la balance commerciale est déficitaire. Lorsque le solde commercial est égal à zéro, on dit tout simplement que la balance commerciale est équilibrée. Le deuxième indicateur est le taux de couverture, ou nisbat tartiya. Donc, on a qu'à voir nisbat tartiya dial waridat sadira, c'est-à-dire le taux de couverture des importations par les exportations. Donc, concernant la formule, le taux de couverture est égal à la valeur des exportations des biens divisé par la valeur des importations multiplié par 100. Lorsque le taux de couverture est supérieur à 100, tout simplement, la valeur des exportations dépasse la valeur des importations. Donc on dit que les exportations couvrent la totalité des importations tout en générant un excédent de devises. Un excédent de devises. Lorsque le taux de couverture est inférieur à 100, on dit que les exportations ils couvrent une partie des importations. Lorsque le taux de couverture est égal à 100, c'est-à-dire que la valeur des exportations et la valeur des importations sont égales, donc on dit que les exportations couvrent la totalité des importations. Pour le solde des transactions courantes, donc le solde des transactions courantes est égal au total des crédits courants moins le total des débits courants. Donc généralement, ça veut dire quoi crédit? Les crédits ont l'ensemble des recettes générées par les comptes des biens, des services, des revenus primaires et des revenus secondaires. Le total des débits courants, c'est l'ensemble des dépenses générées par les comptes des biens, des services, des revenus primaires et des revenus secondaires. Il existe une autre formule. Donc, on prend le solde commercial, c'est-à-dire la différence entre les exportations et les importations des biens, plus le solde des services, c'est-à-dire la différence entre les recettes des services et les dépenses des services, plus le solde des revenus primaires, c'est-à-dire le revenu reçu moins les revenus primaires versés, plus le solde des revenus secondaires, c'est-à-dire les revenus secondaires reçus moins les revenus secondaires versés. Lorsque ce solde est supérieur à zéro, on dit tout simplement que la balance des transactions courantes est excédentaire, c'est-à-dire il existe un excédent de recettes sur les dépenses. Lorsque le solde est inférieur à zéro, on dit que la balance des transactions courantes est déficitaire, c'est-à-dire que le total des dépenses excède le total des recettes. Et enfin, lorsque ce solde est égal à zéro, on dit que cette balance est équilibrée. Pour le terme de l'échange réel, le TER est égal au prix de l'unité exportée, le prix de la tonne exportée divisé par le prix de l'unité importée multiplié par 100. يعني كناخذوا السعر ديال الوحده تصدير, يعني مثلا كناخذوا السعر ديال واحد الطن اللي صدرنا وكنقسموه على السعر ديال واحد
donne l'estouridnant kandarbo fmiya. Lorsque le TER est supérieur à 100, c'est-à-dire le PI exporte le bien X à un prix supérieur à celui qu'il applique à l'importation de ce bien. يعني أن الدولة هنا كتصدر المنتوج ديالها بواحد السعر كبر من السعر باش كتستوردو. بحال كتصدر مثلا بواحد نقولو مثلا 2000 درهم لا طن وكت امبورتي بواحد مثلا 1500 درهم لا طن، سيتادير كتبيع ب 2000 وكتشري ب 1500، يعني أن الثمن ديالها في التصدير كبر من الثمن ديالها في الاستيراد. Lorsque le TER est inférieur à 100, c'est-à-dire que le PI exporte le bien X à un prix inférieur à celui qu'il applique à l'importation de ce bien. C'est-à-dire que le dollar, quand c'est d'un prix inférieur, le thème va être sourd. Maintenant, quand c'est d'un 1500 درهم, ou quand c'est sourd 2000 درهم, يعني ان الثمن في التصدير او السعر في التصدير صغر من السعر في الاستيراد. Lorsque le TER est égal à 100, c'est-à-dire que le prix à l'exportation et à l'importation du bien X sont les mêmes. Yani anna katsaddar b'nafs thaman bach katstourid. Pour le terme de l'échange net, ou le TEN, est égal à l'indice des prix de l'unité exportée divisé par l'indice des prix de l'unité importée fois 100. Donc, lorsque le TEN est supérieur à 100, on dit que le PI, il tend à exporter le bien X à un prix supérieur à celui qu'il applique à l'importation de ce bien. يعني أن الدولار كتوجه أنها تصدر المنتوج ديالها بواحد الثمن كثر من الثمن باش كتستوردو. On dit qu'il y a une amélioration des termes de l'échange et les prix évoluent en faveur des exportations. بالنسبة لهاد TEN هو فاش كنحاولوا نحسبوا ما كناخذوش نحسبوا في واحد السنه، كنحسبوا في واحد لا بيريود، سيتادير كنشوفوا لا توندونس، سيتادير الاسعار فاش كيتزادوا، واش كيتزادوا في المصلحه ديال الصادرات ولا في المصلحه ديال الواردات. فاش كيكون عندنا لو تي او ان كبر من 100، تو سامبلومون كنلقاو بان الزياده اللي كتهم الصادرات كتكون كبر من الزياده اللي كتهم الواردات، يعني ان لي تيرم دو ليشانج او هاد الزياده كتكون فاش في المصلحه ديال الصادر. بحال اللي كنقولوا ان الصادرات السعر ديالهم تزاد مثلا ب 20% الوغ كو الواردات يلاه تزاد السعر ديالهم ب 10%. داكشي فاش كنخدموا هنا بلانديس، لان الانديس ايل بيرمي دو ميزوري ليفولوسيون ديال هاد لي بري دون لو طون. لورسكو لو تي ان اي انفيريور ا 100، دونك لوجيكمون هنا غنلقاو بان الزياده غتكون في المصلحه ديال الواردات. دونك لو بي ال طون ا اكسبورتي لو بيان اكس ا ان بري انفيريور ا سولي كي لابليك ا لامبورتاسيون دو سو بيان، سيتادير الا خدينا ليفولوسيون ديال لي بري دو لونيتي اكسبورتي او لانديس دي بري دو لونيتي امبورتي، هاد الزياده هاد ليفولوسيون كتكون اون فافور دي امبورتاسيون. مثلا ان لانديس دي بري دو لونيتي اكسبورتي او لا لونيتي اكسبورتي تزاد ب 20% والونيتي امبورتي تزاد لو بري ديالها ب 40%، يعني ان الزياده هنا كانت في المصلحه ديال الواردات. اون دي كيليا اون ديتيريوراسيون، حنا كتكون عندنا اميليوراسيون الا كانت الزياده في المصلحه ديال الصادرات، وكنقولوا ديتيريوراسيون الا كانت الزياده في المصلحه ديال الواردات. دونك اون دي كيليا ديتيريوراسيون دي بري دو لونيتي اي لي بري ايفولو اون فافور دي امبورتاسيون. Le troisième cas, ou lorsque le TEN est égal à 100, c'est-à-dire bien le PI, il tend à exporter le bien X au même prix qu'à l'importation de ce bien. Halagna bien le prix de l'unité exportée Z, bien le ou le prix de l'unité importée Z, bien le mien, donc on dit qu'il y a une stabilité qui est l'istiqrar des termes de l'échange et les prix à l'exportation et ceux à l'importation évoluent dans le même sens et au même rythme. Ça veut dire quoi? Et ma anna sar dial sadirat ou sar dial waridat kitzadu bnafs lwahda ou la kinqsu bnafs lwahda, yani nqulu ma tzadu b 20% bjouj ou la nqsu mathala b 10% bjouj. Hna le TEN kanlqaw est égal à 100. Donc, on a deux le taux d'exportation. Donc, on a les trois taux, on va par la suite. Donc, on a seulement les biens, on a les biens et les services. Donc, le taux d'exportation est égal les exportations des biens et services
divisé par le PIB fois 100. Donc tout simplement, le taux, il permet de mesurer la contribution des exportations des biens et services dans la formation du PIB. Quand je fais le moussa, il y a le sadirat, il y a le sila ou le khadamat, les biens et services, le PIB. Le taux d'ouverture, donc pour calculer le taux d'ouverture, la moyenne des échanges extérieurs en biens et services, donc les exportations des biens et services, les importations des biens et services, aucun qsmo, donc on a de la moyenne des échanges extérieurs. Aucun qsmo, le PIB, aucun drbouha, fmiya. Donc généralement, non, il mesure le niveau d'ouverture de l'économie nationale sur l'étranger via les exportations et les importations. Les canasmo, donc, c'est le poids du commerce extérieur, donc les richesses créées par une économie. Donc, pour terminer, on a le taux de pénétration qui est égal à la valeur des importations de biens et services divisé par le PIB plus les importations de biens et services moins les exportations de biens et services. Donc, là, je fais un affirmatif. Donc, on va développer avec la formule du PIB selon l'optique dépense. On studie les importations, on soumet les exportations, à date, comme ce qu'on appelle la demande intérieure. Au moins, ça, on 100. Donc, généralement, la formule permet de mesurer la place des produits importés dans le marché intérieur ou le besoin de l'économie nationale en produits étrangers. Donc, quand je fais la contribution des importations des biens et services, la satisfaction via les besoins via le marché intérieur. Donc, on a qu'avant de dire les lectures via les indicateurs des échanges extérieurs. Donc, on a qu'avant de l'exemple via l'alphénosme au marron. Donc, vous dites le solde commercial est égal à moins de 106 milliards de dirhams. Donc, généralement, on a un solde qui est négatif. Donc, tout simplement, là, il s'agit d'un déficit. On va dire que le déficit commercial représente une valeur de 206 milliards de dirhams au Maroc en 2018. La deuxième lecture, les voit le taux de couverture. Donc, est égal à 57,2%. Donc, on a qu'un chauffe-eau, la couverture des importations, le taux de couverture des importations par les exportations. Donc, on dit tout simplement que les exportations des biens permettent de couvrir ou couvrent 57,2% des importations au Maroc en 2018. Troisième indicateur, les voit le solde des transactions courantes. Tawa, il est négatif. La valeur du LOIA, moins 61 milliards de dirhams. Donc, on va dire tout simplement que le déficit de la balance des transactions courantes représente 61 milliards de dirhams au Maroc en 2018. Un quatrième indicateur, et voit le solde de la balance des services. Donc, le solde, il est positif, donc la valeur du LOI est 74 milliards de dirhams. On va dire tout simplement que l'excédent de la balance des services représente 74 milliards de dirhams au Maroc en 2018. Le quatrième indicateur, voit le taux d'exportation. L'effort à l'exportation donc est égal à 35,2%. On va dire que les exportations des biens et services représentent 35,2% de la richesse créée au Maroc en 2018. Qu'il y a une autre lecture, qu'un globe a 35,2% de la richesse créée au Maroc en 2018 est exportée. Le taux d'ouverture est égal à 40%. 2%. Donc, quand vous voulez bien la moyenne des échanges extérieurs en biens et services, déjà qu'on a la formule de l'exportation des biens et services plus importation des biens et services divisé par 2. Donc, c'est la moyenne des échanges extérieurs en biens et services représente 40,2% de la richesse créée au Maroc en 2018. Le taux de pénétration voit 41,1%. Donc, on a qu'un chauffe le rôle des importations ou la contribution des importations dans la satisfaction des besoins du marché intérieur. On dit que les importations des biens et services couvrent
41,1% des besoins du marché intérieur au Maroc en 2018. On a le TER, exemple aléatoire, le TER qui est pour chaque produit. Okay? Donc, on a un exemple de 100%. Donc, tout simplement, je suis en train de faire 200%. Quand vous avez une tonne exportée de bien X, permet d'acheter 200% d'une tonne importée de ce bien. Ou là, une tonne exportée du bien X permet d'importer 2 tonnes de ce bien. Donc, à dire que 200%, il y a 200 sur 100 est égal à 2. Il y a un juge qui a une tonne qui a un drap. دائما ديالك كنشري جوج ديال الاطنان من الخارج. كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم. ما تنساوش تشاركوا الفيديو مع اصحابكم.